Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour la découverte du nouveau map pack qui vient de sortir sur Battlefield 4, Black on Thieves. Et donc voilà, donc troisième gameplay, le parc Lumpini. Et c'est parti en match à mort avec le SRR-61, qui est donc l'équivalent du sniper intervention, plus ou moins. Et que je crois que mes balles esquivent un peu l'ennemi. Donc ça va pas le faire. Et donc voilà, donc une map là cette fois-ci, je sais pas exactement où on est. On est sur un chantier, ça c'est sûr. On dirait un peu la map China Rising, vite fait. Bon. Allez. Voyons voir un petit peu où est-ce que ça se passe, où est-ce que les gens sont. Oula, je crois que... Attends, je vais mettre à découvert. À couvert plutôt, parce qu'à découvert... C'est pas ce que je cherche. Voilà. Merde, bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, il y en a deux là. Je vais peut-être prendre... Je vais peut-être prendre le simple viseur laser. Parce que celui-ci en triple là, ça me gêne un petit peu. Trois faisceaux, viseur laser. Allez hop. Tac, tac, tac. On va voir comment ça fait. Ça testera peut-être un petit peu mieux au niveau de la précision. Merde, me tire pas dessus, Voilà, donc l'autre. Crève bâtard. Je crois que j'ai jeté ma grenade comme une merde, voilà, effectivement. Ouh. Oula, 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 oula. J'ai plus de vie, hein. Tu veux pas mettre un truc de santé, toi, s'il te plaît, par terre? Arrête! Mais arrête! Mais arrête! Il arrive! Je peux pas leur parler. Ils vont se faire buter à cause de moi. J'aurais pu les sauver. Allez, on s'est mal parti pour le début, mais on va essayer de se rattraper, bien évidemment. Ah, c'est joli le petit jardin là. Ah, c'est sympa. Merde. Ah, il s'est planqué, un salaud. Putain. Oh, bordel. Ah, il a bien pris son temps, hein. J'aime beaucoup ça, c'est vrai que quand tu te fais tuer, tu vois pas la killcam, mais tu vois vraiment tout ce que le mec a mis comme accessoire. Et il y a tellement d'accessoires sur Battlefield, c'est ça c'est vraiment un truc, une grosse qualité du jeu. Le fait de pouvoir customiser, personnaliser, vraiment comme tu le sens. Bon, par contre au niveau du shoot, quand t'es une merde, hein. Ça. Merde, putain, il est monté. Il branle quoi les deux qui étaient à côté? Ils servent à rien? Tu crois? Je suppose. Je présume. Je pense. Ouh, ce que tu t'es bouffé mon pote là. Est-ce que je me suis bouffé? Ah, moi c'est donnant quoi. Sauf que lui il a deux fois il m'a tué et moi j'ai zéro. Revanche. J'étais dans le collimateur, gamin. Hein? Donne-moi ton carnet de surveillance! Je vais aller voir tes parents! Mais merde! Moi, j'avais une bonne technique pour le carnet de surveillance. C'était... J'en avais deux. J'avais dit que j'avais perdu le mien, tu sais. Oh, je l'ai perdu et tout, vous pouvez m'en donner un? Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, donnez, ils l'ont vendu, tu penses, d'enculé. Et bref. Et donc, du coup, bah, chaque fois que ma mère, elle me demandait mon carnet pour voir comment ça se passait, je suis passé le 9. Et il était vierge, du coup. Et à chaque fois que les profs demandaient mon carnet, bah, je donnais l'autre. Voilà, comme ça, j'en avais un pour les parents, un pour les profs. La signature, je l'ai mité, vous doutez bien. Jusqu'au jour où ma mère s'en est rendue compte et je me suis fait défoncer quoi. Bon, merde. Au moins ça a tenu ce que ça a tenu.
Elle s'est pas vraiment rendu compte, je crois, mais elle trouvait ça bizarre à un moment qu'il n'y ait rien dedans. Il faut s'entraîner au snipe, hein. Alors, attends. Des fois, je vois des petites gouttes sur l'écran, j'ai l'impression qu'il y a un ennemi qui passe furtivement. Oh là là! I'm on fire! Étoile de service. Alors, je vais avancer discrètement. Alors, hop, je vais essayer de monter là-haut. Quelle... monter là-haut. Genre, ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. Petit pléonasme, mais bon. On sait jamais que la grenade fait un effet. Rien! Putain! Ah ouais, bah bon, je suis sur Battlefield, hein, c'est pas Call of, hein, tu peux pas arriver derrière 4 ennemis et te faire plaisir, non? Non, non, non. Enfin, en tout cas, pas avec mon niveau. Il y en a qui le font, hein, j'en vois des clips ou des mecs qui se font vraiment plaisir. Hein. Moi, non. Moi, je me tape Hitmarker, de toute façon. Faudrait que je joue à la limite en hardcore. Ah, il m'avait vu le saligo, hein. Moi, à la limite, hein. Bon, sinon, cette map-là est vraiment sympa, pour parler de la map en elle-même, de toute façon. Vraiment sympa, dans le sens où le combat est petit, c'est vraiment une petite map, comme je les aime. Et c'est pour ça que je joue à Match Hammer sur Battlefield, c'est que... Bon, c'est des petites maps, j'aime bien, quoi. Bon, je sais que ça plaît pas forcément aux puristes, mais bon, je suis pas un puriste, donc je m'en bats les couilles. Et moi, en tout cas, je m'amuse, j'aime bien, et c'est vrai que là, le combat est vraiment bien rapproché. Allez, hop, un petit headshot. Merde. Et j'aime beaucoup la configuration de la map, en fait, comment elle est faite. C'est-à-dire que l'affrontement où il y a plein de gens qui sont sur le pont, mais malgré le fait qu'ils soient sur le pont, quand même, t'as une bonne visibilité. Alors, attends. Je vais jamais arriver à faire un enchaînement de deux, hein. Ça va pas taper, hein. Putain, par contre, là... Hein. Ouais, forcément. Allez, mec, se donne à te rejoindre. Ah bah oui, faut... Oh bah... Pff, le mec, il se dit, putain, j'arrive pas à le toucher. Allez, vas-y, je lance la grosse artillerie. Je vais le bourrer, nos lance-patates. Merci de me réanimer, l'ami. Que le bon Dieu te le rende. Ah, putain, bah ouais, mais il peut pas me réanimer avec de la santé à 100%. Pas tout demander non plus. Allez, go. Comme ça, on va aller plus vite avec le couteau dans les mains. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Y aurait-il des gens là-haut? Y a plus. Ah. Eh oui, mon petit bonhomme. Je t'ai shooté le crâne. Bon bah le début de partie était quand même assez laborieux et difficile avec ce magnifique sniper. Et sur la deuxième partie ça s'est amélioré un petit peu, hein, en espérant que la fin continue sur cette note positive. Et merde! Mais à quoi il sert le Jean-Louis là? Il y en a un à côté de moi, il sert à rien. Ah, oh, pauvre con, va. Bah. Bah, il s'est fait buter du coup. Allez, hop. Allez, un petit noscope. Ah, dommage. Bon, je tente, hein. Merde. Bouge plus, j'ai du mal. Mais pourquoi tu bouges? Eh merde, c'est arrêté. Bon voilà, ça a été assez mauvais, je crois que je me suis fait repérer par à peu près... Même les maps à côté m'ont repéré. Putain, mais oh! Ah voilà. La balle qui part sur le côté.
suis concentré là. Ils m'ont un peu repéré. Je vais quand même essayer d'y aller. Oh merde! Ah, je l'ai eu? Non, non, je l'ai pas eu. Oh, j'ai fait une petite série quand même assez sympa, je suis content. C'est vrai que, comme j'ai dit au début, c'était un peu laborieux, j'avais un peu de mal. Bah, c'était la première partie que je faisais au snipe. Et finalement, j'ai commencé un peu plus à mettre à l'aise. Et je me suis fait plaisir. Voilà, c'est tout ce qui est important. En tout cas, j'espère que cette petite découverte, je sais plus comment s'appelle la map, mais vous a plu. Oh merde, comment ça s'appelle d'ailleurs? Bref, peu importe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis, vos suggestions, vos commentaires, bref, tout ce que vous avez envie de dire. Un petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye!